particulièrement sous ça, on a parlé de déportation, mais étudiants et tout. Et nous prenons une amélioration sous. Ministre des Affaires étrangères haïtienne, Madame Dominique Andupi, pour tes bonnes nouvelles pour compatriotes nous qui vivent en République dominicaine, surtout pour étudiants, autorité dominicaine a déporté par Pile et par Macon. Bagay sa ou pral fini. Selon Madame Dominique, on pral gen bon gens, amélioration qui fait. Nous gessons, nous pral gen image, nous pral tende Madame Dominique kap mette koze à terre. Madame Dominique quand tout profite parler de visite li te fait dans pays Angleterre dans jour qui sont passé là et côté il te découvrir ak indépendance pays d'Haïti nan archive nationale pays Angleterre. Bien c'est après Jean-Jacques Dessalines te fin prend l'indépendance pays d'Haïti via à Jamaïque, li te voye document si là by autorité anglaise pour te capable conserver document si là. Bien, pendant Madame Dominique, et t'as participé dans l'émission Matin Débat qui patronné par Louko Désir, Esaïe César, pour ne citer ça seulement, Col fait chair d'épaule après, yon auditeur te fin relé, poser quelques questions et féliciter également. En tout cas, nous pas guit trop comment t'en a fait, nous gressons, nous pas image, nous pral tende Madame Dominique, prend son, prend ton et garde vidéo jusqu'à la fin ou pas regret du tout. Bonjour, bonsoir pour nous tout en bienvenue sur Cause Peuple jeudi samedi 28 septembre 2024. Pas oublier abonner, commenter, partager et puis comme ça, n'a qu'à permettre un channel Cause Peuple pousser pour plus devant. Mais entendez, Madame Dominique qui frappe pile à terre sous autorité dominicaine, son bonne nouvelle. Oui, nous pourrons suspendre avec déportation massive yoa y a fait sous compatriotes nous qui vivent surtout en République dominicaine. Nous pas de gain relé, nous pas de gain répondre, eh bien, Madame Dominique, décide camper, bon côté, non. Bagay, yo pral fini, est-ce que c'est visa ou pral bay? Est-ce que c'est document, yo pral bay, tout compatriote, yo ka vive en République Dominicaine? Nous pas connaît. En tout cas, entendez, Madame Dominique. Parce que depuis m'piti, m'toujours est entouré de monde qui apprenne moins que fa nous servir pays, hein. Qui apprenne moins que c'est celle qui nous gagne et c'est celle nous qui l'a tout pour nous défendre, ni. Et me toujours essayer vivre en gens pour me placer tête moi dans des situations côté que tout ça m'a fait et abouti à intérêt public si me ka dit le comme ça. Donc en gros c'est comme ça me ta dit que m'atterri dans poste ministériel ça m'était très honoré le premier ministre t'a relé pour proposer une position ça et l'homme t'a accepté les aïe faut me dire m'était connait le tap difficile m'était connait chaille la tap lourd m'était connait que et chantier au tap en pile. Même t'es senti que m'tap gen une équipe autour de moi d'ailleurs dans salle là m'a salué chef cabinet qui avait m'cap accompagner m'jodi hein et on connaît que nous à la hauteur de l'ambition que nous gagnons pour réforme que nous voulons mener avec pour changement nous voulons porter mais li pas facile mais nous pas faire bac on fait bac nous pas faire bac ou sorti non tourné qui pral menon dans Nations Unies, n'a pas directement dans point ça qui c'est fin hier de la 79e Assemblée générale des Nations Unies. Haïti a fait bon visage selon plus d'un. Maintenant, et malgré toute critique qui était gagnée sous toile là, nous rappelons nous ensemble de problèmes qui étaient posés entre la primature, la présidence, est-ce que problème il y en avait et est-ce que problème et ça yo te gen avec le ministère affaires étrangères et la mission permanente des Nations Unies qui salte exactement la vérité dans tout ça madame la ministre. La vérité Zahim, très content parler avec nous aujourd'hui hein, pour nous clarifier te grand pile bruit pour des contre-vérités qui circulent et nous connaît journée jeudi hein, toute société haïtienne nan infectée avec des informations avec fake qui circulent et puis avec des monde tout qui gagne intérêt dans créer des histoires qui basées sur des inventions. Réalité hein, c'est que pas de problème sous parti participation haïtienne. Nan. T'es toujours gagné une seule délégation haïtienne présidée par son excellence le président du Conseil et présidentiel de transition Edgar Leblanc et t'es toujours gagné un agenda complémentaire entre participation présidentielle là, participation premier ministre là et participation ministre affaires étrangères là. Schéma ça pas un schéma qui unique à Haïti, il y a en pile délégation que nous croiser qui gagne même schéma côté soit en président soit en roi là accompagné de premier ministre, accompagné de ministre affaires étrangères et accompagné de toutes sortes de techniciens, experts et diplomates dans et délégation pour prendre part à commission yo. Ça t'est clair depuis le début, c'est comme ça que nous-mêmes comme ministère affaires étrangères nous t'ai communiqué le bas
Nations Unies, c'est pour ça accréditation a été faite en fonction de communication ça. Badge président Leblanc t'est paré en même temps badge tout le monde comme chef de délégation. Okay. Premier ministre avant de quitter territoire là t'est circulé en note, on communiqué côté que l'était annoncé que l'a quitté pays hein, pour participer dans l'assemblée générale là dans cadre d'une délégation qui présidait par son excellence Edgar Leblanc. Donc pas jamais gain confusion sur format ni sur cohérence et participation haïtienne. Agenda participation est bâti à travers compilation et agenda respectif que MAE vient joindre. MAE circule agenda sa bato entité yo lui-même MAE primature avec et présidence et tout le monde était d'accord sur tâche répartition des tâches que chaque parti te gagne. Je nous connais là. Donc tu as une coordination entre la primature et la présidence. Tout à fait, et nous, la mission permanente. Non seulement le premier ministre l'a rencontré avec le président avant les partis pour regarder agenda respectif comme un complémentaire. Correct. Deuxièmement, tu as une cellule qui travaille sous et aspect logistique là qui réunit dans villa d'accueil avec une représentation MAE, une représentation primature et ambassadeur et Haïti à l'ONU t'es même voyagé dans quatre déclarations patrimoine li vinn fait nous arrangé nous pour li voyager en avant pour li font réunion physiquement dans villa d'accueil en présence chef cabinet la présidence en présence conseiller diplomatique président Leblanc en présence responsable institution et internationale MAE en présence primature donc coordination t'est faite de façon harmonieuse par toutes les parties concernées c'est sa vérité aïe mais effectivement Esaïe vinn gen hic si m ka di l konsa mais hic lan et pense que faut nous kembe nous regard nous sous et vrai interlocuteur là hic lan sorti sous parti américaine là et m'a tout saluer ambassadeur américain en Haïti hein qui rapidement réagit et qui font communication publique à travers un tweet qui reconnaît que tout temps lan sorti sous bon pa yo ça m ka partager avec nous c'est que nan délégation qui fait là ou a remarqué que tu gagne deux moun qui utilisait titre présidentiel là, c'est-à-dire qu'au gain président Leblanc et au gain président Voltaire qui participait dans délégation. Là nous même nous communiquer information ça. Est-ce que le nom de Voltaire, monsieur Voltaire était déjà là avant même dans communication que nous voyons le 5 septembre, non, il était déjà là dedans. Okay. Et ça qui vient réaliser hein, c'est que américain vient expliquer nous après parce que là nous confronté à problème là, nous pas gain souci parce que comme ministère affaires étrangères, nous en communication avec département d'État, OK? Yeah. Et avec et des structures autonomes. Secret service lui-même l'a pas agi de façon autonome quant à courtoisie que l'il doit accorder à chef délégation yo avec et toute membre délégation qui ont certains niveaux tant que premier ministre là. Dans certains cas ministre affaires étrangères là bénéficier tout de détails secret service là. Nous-mêmes nous pas fait demande pour lui parce que nous étions conscients que nous étions en grande délégation, nous pas penser l'idée nécessaire, nous tape toujours soit avec président soit avec premier ministre là, nous pas besoin autonome. Donc nous pas demander pour moi-même, nous demander automatiquement pour le chef de délégation et yo estimer que premier ministre là t'es doit bénéficier de lui aussi parce que c'est une personnalité de haut niveau. Correct. OK. Ça crivé yo. Communication allé, yo vinn apprendre nous que système yo vinn pas ka comprendre structure exécutif pas nous. Côté yo wel gen deux présidents. Donc système là c'est pas un monde qui a opéré li. Si on bagaille, c'est un logiciel peut-être que yo gen, yo seulement exit li. Donc yo obligé vinn faire une intervention manuelle suite à connaissance que yo vinn gen de problème là pour que yo expliquer que non c'est pas un problème li gen, son structure unique que nous gen nous-mêmes. Que États-Unis reconnaître que États-Unis appuyer et donc que États-Unis doit accommoder. Mais toute manœuvre ça prend temps, ce sont des manœuvres diplomatiques que nous impliquer là dans le parti haïtienne mais que américain on prend vraiment au sérieux et c'est eux-mêmes qui viennent permettre dans territoire payo que résultat a débouché sur non seulement mais à coup particulièrement sous ça on a parlé de déportation mais étudiants et tout et nous pral ouais en amélioration sous Ministre Affaires étrangères haïtienne madame Dominique Dupuy porte bonne nouvelle pour compatriotes nous qui vivent en République dominicaine surtout pour étudiants yo autorité dominicaine a déporté par pile et par macon bagay ça au pral fini selon madame Dominique pral gen bon gens amélioration qui fait nous gesson nous pas image nous pral tande madame Dominique cap mette causé à terre madame Dominique tout profiter parler des visites li était fait dans pays Angleterre dans jour qui sont passé là écoutez il était découvert ak indépendance pays d'Haïti nan archive nationale pays Angleterre bien c'est après Jean-Jacques Dessalines te fin prend l'indépendance pays d'Haïti via à Jamaïque il était voyé documents là by autorité anglaise pour être capable conserver documents là. Bien, pendant Madame Dominique
et t'as participé dans émission Matin Débat qui patronné par Louko Désir, Esaïe César, pour ne citer ça au seulement, Col fait chair d'épaule. Après, yon auditeur te fin relé poser quelques questions et féliciter également. En tout cas, nous pas trop commenter na fait, nous gresson, nous pas image, nous pour attendre madame Dominique prend ton et garder vidéo jusqu'à la fin ou pas regrette du tout. Bonjour, bonsoir pour nous tout en bienvenue sur Cause Peuple là jeudi samedi 28 septembre 2024. Pas oublier abonner, commenter, partager et puis comme ça, n'a qu'à permettre un channel Cause Peuple là pousser pour plus devant. Mais entendez madame Dominique qui frappe pile à terre sous autorité dominicaine, son bonne nouvelle. Oui, nous pour suspendre avec déportation massive yoa, y a fait sous compatriotes nous qui vivent surtout en République dominicaine. Nous pas de relé, nous pas de répondre, et bien madame Dominique décide camper bon côté nous. Bagay yo pral fini, est-ce que c'est visa ou pral bay? Est-ce que c'est document yo pral bay tout compatriote qui vivent en République Dominicaine? Nous pas connaît. En tout cas, entendez madame Dominique. Parce que depuis m'piti, nous toujours est entouré de monde qui apprennent moins que faire nous servir pays, hein? Qui apprennent moins que c'est celle qui nous gagne et c'est celle nous qui l'a tout pour nous défendre. Et me toujours essayer vivons gens pour me placer tête moi dans des situations côté que tout ça m'a fait et abouti à et intérêt public si me ka dit comme ça. Donc en gros c'est comme ça me ta dit que ma terri dans poste ministériel ça me très honoré les premiers ministres ont relé moi pour proposer une position ça et l'homme t'a accepté les ailles il faut me dire m'te connais le tap difficile m'te connais ça la tap lourd m'te connais que et chantier au tap en pile. Même t'es senti que t'as bien une équipe autour de moi d'ailleurs dans salle là m'a salué chef cabinet qui avait même qui a pas accompagné aujourd'hui hein et qu'on est que nous à la hauteur de l'ambition que nous gagnons pour réforme que nous voulons mener avec pour changement nous voulons porter mais c'est pas facile mais nous pas faire bac nous pas faire bac ou sorti non tourné qui prend le menon dans les Nations Unies, n'a pas été directement dans le point ça, qui c'est fin hier de la 79e Assemblée Générale des Nations Unies. Haïti a fait bon visage selon plus d'un. Maintenant, et malgré toute critique qui était gagnée sous toile là, nous rappelons-nous, ensemble de problèmes qui étaient posés entre la primature, la présidence, est-ce que problème il y en avait? Et est-ce que problème et ça y a été gagné avec le ministère Affaires étrangères et la mission permanente des Nations Unies qui salte exactement la vérité dans tout ça, madame la ministre? La vérité, Esaïe, je suis très content de parler avec nous aujourd'hui pour nous clarifier. Tu as un peu de bruit pour des contre-vérités qui ont circulé. Et nous connaissons, je ne dis pas, toute société haïtienne infectée avec des informations, avec fake qui ont circulé et puis avec des monde tout qui ont intérêt à créer des histoires qui sont basées sur des inventions. La réalité, c'est que pas de problème sous partie participation haïtienne. C'est toujours une seule délégation haïtienne présidée par son excellence le président du conseil et présidentiel de transition Edgar Leblanc et c'est toujours gagné un agenda complémentaire entre participation présidentielle là, participation premier ministre là et participation ministre affaires étrangères là. Schéma ça pas un schéma qui unique à Haïti, il y a en pile délégation que nous croiser qui gagne même schéma côté soit en président soit en roi là accompagné de premier ministre, accompagné de ministre affaires étrangères et accompagné de toutes sortes de techniciens, experts et diplomates dans et délégation pour y prendre part à commission yo. Ça t'est clair depuis le début, c'est comme ça que nous-mêmes comme ministère affaires étrangères nous t'ai communiqué le bas Nations Unies, c'est pour ça accréditation a été faite en fonction de communication ça, badge président Leblanc t'est paré en même temps badge tout le monde comme chef de délégation. Okay. Premier ministre là avant de quitter territoire là t'ai circulé en note, on communiqué côté que l'était annoncé que l'a quitté pays hein, pour participer dans l'Assemblée générale là dans cadre d'une délégation qui présidait par son excellence Edgar Leblanc. Donc pas jamais gain confusion sur format ni sur cohérence et participation haïtienne. Agenda participation été bâti à travers compilation et agenda respectif yo que MAE vinn joindre. MAE circulé agenda ça ba trois entités yo, lui-même MAE primature avec et présidence et tout le monde était d'accord sur tâche répartition des tâches que chaque parti était gain.
Je nous connais là. Donc, tu as une coordination entre la primature et la présidence. Tout à fait. Et la mission permanente. Non seulement le Premier ministre l'a rencontré avec le président avant les partis pour regarder l'agenda respectif comme un complémentaire. Correct. Deuxièmement, tu as une cellule qui travaille sous l'aspect logistique là, qui réunit dans la villa d'accueil avec une représentation MAE, une représentation primature et ambassadeur et Haïti à l'ONU, tu es même voyagé dans le cadre de déclaration patrimoine Livin fait. Nous arrangeons pour les voyager en vent, pour les faire réunion physiquement dans la villa d'accueil, en présence chef cabinet la présidence, en présence conseiller diplomatique président Leblanc, en présence responsable institution et internationale MAE, en présence primature. Donc, coordination a été faite de façon harmonieuse par toutes les parties concernées. C'est sa vérité, Aïe. Mais effectivement, Esaïe, vin gen ik si m ka di l kon sa mais ik lan et m pense que fò nou kembe nou regard nou sou et vrai interlocuteur lan ik lan soti sou parti américaine nan et m ap tout salue ambassadeur américain en Haïti hein qui rapidement réagit et qui font communication publique à travers un tweet qui reconnaît que tout tòl lan soti sou bon pa yo ça m ka partager avec nous c'est que nan délégation qui fait lan ou ap remarquer que te gen deux moun ki utilize titre présidentiel là, c'est-à-dire que ou gen président Leblanc et ou gen président Voltaire qui participe dans délégation. Là nous même nous communiquer information ça. Parce que le nom de Voltaire, monsieur Voltaire était déjà là avant même. Dans communication que nous voyons le 5 septembre, non, il était déjà là dedans. Okay. Et ça qui vient réaliser hein, c'est que Américain vient expliquer nous après parce que là nous confronté à problème là, nous pas gen sociaux parce que comme ministère affaires étrangères, nous en communication avec département d'État, OK? Yeah. Et avec et des structures autonomes. Secret service lui-même l'a agi de façon autonome quant à courtoisie que lui doit accorder à chef délégation yo avec et toute membre délégation qui ont certains niveaux tant que premier ministre là. Dans certains cas ministère affaires étrangères là bénéficié tout de détails secret service là. Nous-même nous pas fait demande pour lui parce que nous étions conscients que nous étions en grande délégation, on pas pensé l'idée nécessaire, on tape toujours soit avec président soit avec premier ministre là, on pas besoin autonome. Donc nous pas demandé pour moi-même, nous demandé automatiquement pour le chef de délégation et yo estimé que premier ministre là devait bénéficier de lui aussi parce que c'est une personnalité de haut niveau. Correct. OK. Ça crivé yo. Communication allé, yo vinn apprendre nous que système yo vinn pas ka comprendre structure exécutif pas nous hein. Côté yo gen deux présidents. Donc système là c'est pas un monde qui a opéré li. Si on bagay, c'est un logiciel peut-être que yo gen, yo seulement exit li. Donc yo obligé vinn faire une intervention manuelle suite à connaissance que yo vinn gen de problème là pour que yo expliquer que non c'est pas un problème li gen, son structure unique que nous gen nous-mêmes. Que États-Unis reconnaître, que États-Unis appuyer, et donc que États-Unis doit accommoder. Mais toute manœuvre ça prend temps, ce sont des manœuvres diplomatiques que nous impliquons là dans le parti haïtien, mais que les Américains prend vraiment au sérieux, et c'est eux-mêmes qui viennent permettre dans le territoire par eux que le résultat a débouché sur non seulement.